entré en vigueur en ce jour 3 février 2024. À Yaoundé, comme vous le voyez très bien, le prix du carburant a augmenté. Déjà au studio, l'un de nos journalistes, si vous le voulez très bien, est déjà avec nous. Du 3 février 2024. Super. 840 francs CFA le litre. Gasoil, 828 francs CFA le litre. Les prix des autres produits restent inchangés. EC présente ainsi qu'il suit. Pétrole lampant, 350 francs CFA le litre à la pompe. Gaz domestique, 6500 francs CFA la bouteille classique de 12,5 kg. Par ailleurs, le gouvernement envisage de mettre en œuvre, à brève échéance, les mesures d'accompagnement suivantes. La revalorisation des revenus des agents publics à hauteur de 5% du salaire de base. L'ouverture du dialogue avec le secteur privé sur le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC, ainsi que sur les questions connexes. L'allègement de certaines charges fiscales et douanières dans le secteur du transport routier. D'une manière générale, le gouvernement s'engage à poursuivre les négociations avec toutes les parties prenantes afin de mitiger l'impact du réajustement susmentionné des prix des carburants sur le pouvoir d'achat des ménages et l'activité des entreprises. Le gouvernement compte sur l'adhésion et le civisme des populations dans le processus de mise en œuvre de ces mesures qui devraient permettre de dégager des marges nécessaires à la réalisation des projets. Fait à Yaoundé, comme vous le voyez très bien, le 3 février 2024, signé par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Il faudrait très bien retenir que le prix du carburant a déjà pris effet en ce jour-ci. Nous sommes samedi, quand je vous dis que nous étions hier en concertation avec le ministre, comme vous le voyez, écrivez en commentaire et partagez cette, on peut dire, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, mais partagez déjà, écrivez en commentaire. Qu'est-ce que le gouvernement, qu'est-ce que les forces publiques peuvent faire pour que les prix puissent être... Et vous savez même, il faudrait retenir que bientôt, le taxi va augmenter. Le taxi sera déjà à 400 francs. Le jour et la nuit, 500 francs. Le dépôt maintenant, c'est 4500. Et la nuit, 5000 à 6500. Nous vous reviendrons dans nos prochaines éditions, le temps de vous paraître quelques informations, puisque Samuel Etofis et Lady Ponce demandent aux Camerounais de réagir pour cette mauvaise nouvelle. Nous captons quelques ambiances, si vous le voulez, très bien ici même à Yaoundé.